Adiam. Nous sommes à nouveau réunis pour une nouvelle séance des mantras. Les mantras méditation. Une pratique de méditation avec un outil du tantrisme. Aujourd'hui, mantra méditation avec la répétition du mantra Soha et la concentration au bout du nez. Veuillez vous asseoir dans une posture, jambes croisées, confortable. Fermez les yeux et chantez trois fois les mantras Om avec moi. Inspirez profondément. Maintenant, concentrez votre attention sur le bout du nez. Lorsque vous essayez de regarder le nez avec les yeux fermés, en fixant l'esprit au bout du nez, vous stabilisez également les yeux. Et lorsque les globes oculaires sont immobiles, la concentration et la méditation peuvent se produire plus facilement. Peu importe si votre esprit s'éloigne de son point de concentration de temps en temps, mais les yeux doivent rester stables. Lorsque votre mental et vos yeux sont fixés sur le bout du nez, vous n'avez pas à faire d'efforts intenses pour vous concentrer. Apportez simplement votre attention au bout du nez de temps en temps. En gardant conscience du bout du nez, maintenant, suivez le mouvement naturel de votre souffle. Soyez témoin de chaque inspire et de chaque expire. Sans bouger votre conscience de la respiration et du bout du nez, suivez attentivement les instructions. La respiration naturelle est généralement uniforme, mais parfois elle devient plus profonde, plus courte ou plus longue pendant la pratique. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de garder la conscience au bout du nez et dans la respiration en même temps. La respiration se poursuit généralement involontairement, mais il faut parfois respirer, inspirer et expirer volontairement. Si la respiration devient plus courte ou plus longue, cela n'a pas d'importance. N'essayez pas de contrôler la respiration. Soyez simplement les témoins de cela. Maintenant, en synchronisation avec la respiration, commencez à répéter mentalement votre mantra personnel. Ou si vous n'en avez pas, répétez les mantras Soham, So à l'inspire et Ham à l'expire. Soham. Vous devez maintenir une conscience simultanée du bout du nez, du souffle et du mantra.
L'observation du bout du nez aide à stabiliser les mouvements des yeux. Et la conscience dans la respiration rend l'esprit ouvert et libre, de sorte que le mantra pénètre dans les couches profondes de votre conscience. Continuez la répétition du mantra avec le souffle. Vous avez une conscience simultanée au bout du nez, au souffle et au mantra. Vous répétez mentalement les mantras Soul à chaque inspire et les mantras Ham à chaque expire. La respiration deviendra de plus en plus fine, parfois plus profonde et parfois plus courte. Si vous êtes capable de maintenir une conscience constante de la respiration, elle deviendra plus profonde. Mais si vous perdez le contact avec le souffle, en raison des fluctuations de votre mental, alors la respiration deviendra plus courte. Vous maintenez une conscience simultanée du bout du nez, du souffle et du mantra. Vous répétez le mantra So à l'inspire mentalement. Vous répétez mentalement le mantra Ham à l'expire. Le bout du nez est un centre très important. Pourquoi nous nous concentrer dans le bout du nez? Si vous êtes capable de garder votre esprit fixé sur le bout du nez et en même temps de suivre la respiration, vous pouvez influencer les chakras Muladhara à la racine. Si vous ressentez une tension lorsque vous vous concentrez sur le bout du nez, cela signifie que vous faites trop d'efforts et que vous n'êtes pas suffisamment détendu, tout simplement. Alors, détendez-vous.
la contemplation du bout du nez, la conscience de la respiration et la répétition du mantra doivent être pratiquées simultanément. Perception triple à un moment donné. C'est la façon de pratiquer la méditation mantra. Maintenant, pendant quelques instants seulement, détendez votre esprit, votre mental, pas le corps. Détendez l'esprit, pas le corps. Aucune conscience du bout du nez, aucune conscience de la respiration, aucune conscience du mantra. Détendez complètement votre esprit. Laissez-les aller où il veut, laissez-les penser ce qu'il veut. Le nez a la forme d'un triangle, vous pouvez l'imaginer. Lorsque vous vous concentrez sur le bout du nez, vous fixez votre esprit sur le point médium inférieur de la base du triangle. Le côté droit et le côté gauche sont les canaux où vous ressentez l'inspire et l'expire. Encore une fois, pendant quelques minutes, soyez témoin de votre souffle. Concentrez votre attention sur le bout du nez et la respiration entrante et sortante. Bout du nez et souffle. Commencez maintenant à répéter les mantras en synchronisation avec les souffles. So à l'inspire, Ham à l'expire. Prise de conscience du bout du nez, prise de conscience du souffle, répétition du mantra.
Maintenant, relâchez-vous. Nous allons chanter trois fois ensemble le mantra Om. Inspirez profondément. Hari Om Tat Sat, vous pouvez ouvrir les yeux.